Salut à tous, c'est ACS FN 89, on se retrouve pour le chapitre 8 de Necromunda. Adorai War, Razia sur les barres d'énergie. Alors, troisième partie de ce chapitre 8. Alors, nous avons un bonhomme qui doit récupérer des barres d'énergie ici. Nous avons un bonhomme qui est prévu pour faire sauter les barricades pour que les mecs qui vont récupérer les barres d'énergie et le trésor qui est ici en fait puissent se sauver et les remettre là-bas. La porte de sortie normalement doit être là-bas. Moins qu'il la change à chaque fois, mais logiquement elle est là-bas. Et ce bonhomme-là doit faire sauter les barricades pour qu'ils puissent y accéder, sinon ils ne pourront pas passer. Et nous avons ce bonhomme-là qui doit déposer une bombe ici. Et du coup, des barres d'énergie, on doit en ramasser 3. Alors, un bonhomme peut en ramasser 2, donc c'est un bonhomme qui ne pourra pas tirer, forcément, puisque... Il a une barre d'énergie dans chaque main. Il pourra même pas avoir un arme de corps à corps dans l'autre. Alors, nous avons ce bonhomme-là niqué ici. Nous avons celui-là niqué ici. Nous avons celui-là niqué ici. Aussi. Pour l'instant, bon, on n'est pas trop amoché. Et nous en sommes à la manche 4. Alors les trucs sont ici, avec celui-là il est où? Il est juste à côté forcément, il y a celui-là qui l'attend. Hein. Ah, nous avons plein de barres d'énergie ici, mais bon, il y a la bande de soins ici, alors faut vraiment qu'on soit à deux. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, si je le nique un petit peu, lui ce qu'il va faire en fait, directement après il va aller se soigner quoi. Donc c'est un truc qui va durer longtemps. Faut vraiment qu'on soit deux, qu'on la moche à deux et qu'on en finisse vite fait. Alors déjà je vais prendre celui-là. Pour l'instant je m'occupe pas des barres d'énergie, hein. Je veux déjà m'occuper du bonhomme. Qui est. Ouais, je crois que lui doit le il est là-bas. Comme arme de corps à corps, j'en ai déjà deux, ça sert à rien que j'aille sur lui dépouiller de son arme de corps à corps. On est rechargé. Les autres bonhommes sont où à rapport à moi? Ouais, il est planqué là-bas celui-là. Ah bah. Attends, quand j'ai fait ça, je l'ai pas vu. Ancrage, ça m'énerve. Parce qu'ancrage, quand on l'a pas, c'est que ça coûte 40. Avec certains bonhommes, ça coûte que 30, mais ça coûte 40. Et comme j'ai pas 40 points de mouvement, je peux pas ancrer. C'est con parce que bon, l'autre là-bas, c'est pareil, hein, j'aurais pu le finir. Faut que je me mette devant une bande de soins pour pas qu'ils puissent eux se soigner en fait. Ah ouais, celui là-bas il est presque raide, j'aurais pu l'avoir à lui finir. Hein. Elle est là. Je vais me mettre là, juste à côté. Ouais, je peux pas. Ouais, je peux recharger, ça sera déjà fait. Dans une zone. Ah ouais, parce que je suis là, en fait, juste à côté. On peut pas bloquer le truc.
Ah oui, là c'est con parce que lui il était presque raide aussi. Déstabilisé. Ah mais c'est pas grave, tiens-moi dessus, pendant que tu me tires dessus, tu pourras pas aller te soigner. Là c'est bien. Alors, sélectionner un combattant, du coup. Dans ce point-là, j'ai celui. Celui-là qui est toujours là. Mais cela on s'en fout, la rigueur. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille. Donc celui-là il n'est pas mort, on peut pas. Lui, en fait, c'est celui qui s'est fait tirer dessus parce que il y a un gars qui est pas trop gentil, qui est à côté. Il faut qu'on s'occupe de lui pour qu'on aille récupérer les barres d'énergie qui sont là. Ah non, d'accord, les deux sont... L'autre il est parti à droite. Donc lui, je peux prendre les barres d'énergie, je m'en fous. Ah bah oui, mais je viens de le jouer. Trop facile, tiens. Oh bah l'autre, tiens, je vais prendre celui-là. Je vais niquer celui-là. J'espère que je vais jouer avant lui. J'ai combien en INI? Alors Nini, pour ceux qui n'ont jamais vu encore la série, je rappelle, c'est la capacité qu'on a de jouer avant l'ennemi. Alors l'ennemi, si on regarde en fait sur sa barre, en Nini, il a 95. Nous, en Nini, on a 74. Donc si je prends elle, moi lui, je pourrais pas jouer avant, ça c'est sûr. Avant lui, mais celui qui est en face va jouer avant moi. Lui il a 103, mais l'autre il est trop loin. Lui, je peux prendre des barres de magie. Ouais, mais je viens de le jouer. C'est vrai. Dans ces deux-là, je suis niqué. Il n'y a que celui-là. Celui-là, faut qu'il fasse sauter. Bah, je peux faire sauter les trucs tout de suite, ça sera fait. Tant pis, maintenant ils sont plus beaucoup. J'ai la barricade qui est en bas là-bas à faire sauter. Bon bah de toute façon je peux descendre avec lui, je peux. Parce que là-bas c'est le chemin pour faire sauter le bordel, mais c'est pas lui qui a les trucs, c'est les autres. La bombe. Donc allez hop, là, on va sauter. Là. Là comme ça, celle-là c'est fait pour accéder à la sortie. Celle-là ça va servir à rien parce qu'il y en a une autre derrière. Faire sauter celle-là. J'encre. Je peux pas parce que j'ai plus assez de points. Normalement j'ai 40 là. C'est pour le prochain coup. T'as les aider mes copains.
Ouais, j'ai plus de point d'action, je suis con, moi je viens là, mais... se mettre là au cas où qu'il bouge, dans le sens qu'il veut. On va recharger, ça sera fait. Et on va attendre. Alors, déjà on a celui-là. Si le mec choisit à prendre celui-là, on est mal. On va prendre celui-là quand même. Ah, c'est bien. J'en ai qu'une, donc je peux les ramasser. On fera deux. Et là, ça nous coûte rien. C'est marrant, hein, quand c'est dans une malle, ça nous coûte 5 points d'action, quand on l'équipe, mais quand c'est sur un mec qui est mort, ça nous coûte rien. Par contre, vu que j'ai mis on va pas du mal mettre maintenant. Ça va me coûter quand même 5 points parce que je suis obligé de mettre l'autre arme. Embuscade. Bonhomme. Un. Trouvé par là. Pas dans le coin, toi. Juste pour qu'on rigole. Est-ce que je peux m'accroupir? Voilà, ça sera déjà satisfait. Normalement, on va arriver directement, hein, puisque bon, il en reste plus beaucoup de bonhommes. Hein. Alors, ça, c'est celui qui était en haut. Répare déjà. Voilà, ça sera fait parce que sinon je vais oublier. Celui-là, on est là. C'est marrant, la porte de sortie, elle est où? Par là. C'est marrant ça, parce que ça c'est pas de porte de sortie, c'est truc de renfort ça. Mais comme ça, on la voit pas. C'est marrant. Oui, il a quoi? On va voir s'il a pas une arme. Je sais plus ce qu'il se dit. Oui. Oh, j'aille par là, pas bon. Là-bas, il y a du gaz. Je sais pas pourquoi on y passe.
Façon, je sais que j'allais en chercher trois, donc il me faut un homme bonhomme à gauche. C'est à gauche avec lui. Voilà, je reviens à ma position. Voilà, c'est pile poil le truc. Ça sera pour le prochain coup. Je garde mes points d'action. Retardement. Alors ça fait quoi, retardement? On va faire ça. Ça va me servir pour la suite. Voilà, c'est encore un mois de juin, ça c'est bien. Alors lui c'est la bombe. Lui, faut qu'il aille mettre la bombe. Je peux prendre qu'un truc. Sinon j'en aurais pris deux avec lui, mais je peux pas en prendre deux. Il va mettre une barricade par contre. La tyrolienne, on a dit qu'elle était en bas dans le coin. Elle doit être par là. Il faut que je redescende ici. Ça sera pour le prochain coup. Parce que là, je peux pas. Je suis limite de mes points de mouvement. Alors, lui. Apportez ces barres au point d'extraction. Pas d'armes avec lui par contre. Hein. Deux. Alors je vais peut-être voir la porte maintenant que j'en ai deux. Vous voyez, la porte elle est là. Voilà. Je voulais déjà les prendre pour qu'on voie la porte. S'extraire avec un combattant transportant des objets d'objectif permet du gang de les obtenir. Une fois l'extraction effectuée, les combattants n'auront plus la possibilité de prendre part à ce combat. Oui, bah, de toute façon, tant pis, hein, c'est le chef, mais bon, ça en va en premier. Hein. Normalement, je peux passer puisque j'ai fait sauter la barricade. Nord, hein. Allez là. Je suis un peu loin quand même. Voilà, normalement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça.
Ouais, j'ai assez de points. Ah non. Ah ok. Ça, j'avais pas été jusque là quand j'avais fait de mon côté, hein. Pas mal. Ça, c'est les modes de jeu, hein. Je rappelle qu'on fait après dans le mode gang et dans les modes multijoueurs. Alors, il ne fait que ses cris de guerre, mais c'est tout. Hein. Guerre, je peux pas le frapper, c'est ça en fait. Putain. Non. Là. Alors, les trucs de lumière, il m'en faut encore un qu'on a dit. Lui, voilà. C'est celui qui devait faire péter le truc, il l'a fait péter. Ah oui, on a le trésor, on l'a récupéré. Il était à gauche. Ouais, le trésor il est là. Ah, ces crétins ont planqué leur crédit ici. Embarquez-moi tout ça. Alors par contre, lui il a pas d'arme, alors du coup je vais lui mettre une arme dans sa main droite parce qu'il tient qu'un seul objet, donc je peux lui mettre une arme de corps à corps dans sa main droite, voilà. Par contre avant de les faire en aller, faut que j'aille faire péter le truc avec l'autre bonhomme. Il faut que l'hôte aille rechercher. Une barre d'énergie. Il faut qu'il s'occupe du mec qui reste. Ça, je crois, je suis plus à force. D'elle en dessous. À côté de moi, hein, il est là. Normalement, le truc. Explosif prêt. Faut se tirer de là et vite.
Bon, je reste en 3. Ah oui, une fois qu'on met ça. Ok. Bon, c'est bon, on n'a plus qu'une barre d'énergie à aller chercher. Du coup, ouais, j'avais bien une arme dans ma main. Ah non, c'est vrai. Ce que je peux faire, c'est mettre une arme dans ma main droite. Là hein, du coup hein. Alors du coup celui qui est à gauche, oh, bah, je suis dans le sens inverse là, c'est normal, je cherchais à gauche. Déjà deux barres d'énergie, il nous reste une barre d'énergie, alors celui-là du coup il va aller me chercher une barre d'énergie en bas pour aller se barrer. Lui il a mis sa bombe, il va aller se barrer. Ces deux là, il y en a un qui a deux barres d'énergie, l'autre qui a le trésor, et lui qui doit s'occuper de celui-là, parce que celui-là de toute façon il va essayer de niquer ceux qui ont les barres d'énergie. Allez, Kiki. Pas mal, j'adore le principe. Alors par contre pareil, comme il n'y en a qu'une, je peux lui mettre une arme de corps à corps dans l'autre main, dans la main droite, voilà, au cas où. Je me repère là, on est bien là. C'est là-bas, à gauche logiquement. Alors on a que 3 manches, donc ça devrait aller hein. Manche 6, attention. Ça va vite quand même hein. L'autre l'a pas pu jouer, c'est trop. Allez, lui. Extraction. Déjà ceux qui ont les trucs. Extraction. Là-bas quand même. Ah lui il est long, c'est un... attention. Oh, je peux l'aider au cas où. J'ai une main mais bon. Je vais rester là parce que bon, c'est moi qui ai la lumière pour pas qu'il me fâche chez moi là. La barre d'énergie. Bon bah celui-là hein, maintenant. C'est bien le principe. C'est cool.
On l'a pas tué, mais bon. Alors, lui. Qui se barre aussi. Ok. Bon, je vais rester là au cas où qu'il y ait des renforts, des conneries pour protéger les autres. Bon, je vais pas mettre une barricade là, sinon les autres ne pourront pas passer. Ça va vite les manches là, faut qu'on se barre. Hein. Voilà. Damien, qu'est-ce que t'as de beau toi? On va pas s'en servir. Alors c'est là-bas à gauche aussi. Avec lui je suis venu là pour rien. C'est pas que j'allais m'en sortir tout seul. C'est con, l'eau je l'ai bougé pour rien. Là avec pour rien tout à l'heure. J'aime bien hein, le truc n'empêche aller chercher, mais après on va tomber contre des ennemis qui vont devoir ramasser ces trucs là avant nous, donc on va se bagarrer pour pouvoir les ramasser quoi. Comme bien dans le mode de multijoueur à mon avis. Beau boulot, ces barres valent une fortune. Venez, on se tire. Ah bah c'est con. J'aurais dû... Ah ouais. En fait, j'ai pas fait le secondaire de partir avec le trésor puisque je suis parti avec le barbe de la. Du calme. Je sais ce que des boss a à vendre. Laisse-moi partir et je te dirai tout. Intéressant. Vas-y. J'aime bien lui. Qui me dit que tu vas me libérer? Et qui te dit que je vais pas te torturer jusqu'à ce que tu craches tout? Mon frère fait partie des Roddy Boys. C'est ainsi que Flint a pris pour les Roddy Boys. Mais aussi où Tessera allait. Et comment y parvenir. En conclusion, il garda les barres à énergie. Et continua en pensant pouvoir me doubler. Moi. Sombre idiot. Il l'a quand même tué. Il est pas trop réglo quand même. Hein.
Mais il y a un truc, ils ont tous leur masque, j'ai remarqué quand même. Bon, c'était sympa, hein. J'adore le style, aller chercher les barres d'énergie. Par contre, là, bon, c'est con, j'ai foiré la mission secondaire parce que je me suis barré avec les barres d'énergie alors que j'avais un bonhomme avec le trésor. J'aurais dû faire partir le bonhomme avec le trésor. Ah, moi, je l'ai fait partir, je sais même plus ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas mal, hein, comme style. Moi, j'adore. Moi, j'espère que vous aimez aussi, hein, mais moi, je me frôle la gueule avec ce jeu. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce chapitre 8 pour ceux qui l'ont regardé en entier. Hein. Ça fait 4 épisodes en tout. Ou 3, je sais plus. Bah, bon, je vous retrouve dans 15 jours, hein, parce que bon, c'est tous les 15 jours. Hein, parce que je fais 3-4 vidéos qui suivent tous les 15 jours. Donc après, ça me permet de mettre un peu du Battlestar Galactica et puis World of Warship un peu. Sinon, je mettrais que du Necromunda. Je pense pas que ça serait le top pour la chaîne. Je pense qu'il faut un peu varier, quoi, entre ces trois styles de jeux différents qui sont World of Warship, Battlestar Galactica, Deadlock et puis Necromunda Underwar. Bon, bah, moi je vous retrouve dans 15 jours et puis je vous remercie encore de suivre cette série pour ceux qui la suivent. Allez, ciao.